Salut l'artiste, dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer qu'avec la bonne méthode et les bons outils, il est possible de réussir vos dessins en perspective et de bien commencer le dessin d'imagination. Avant de me lancer dans la création du site dessiner.fr, je réalisais quelques dessins pour mes études, mais je n'avais plus de temps à consacrer à mes propres créations. J'étais surtout démotivé car j'avais l'impression de faire du surplace en dessin. J'imagine que comme moi, il vous est déjà arrivé de passer des heures à chercher sur internet quoi dessiner ou comment dessiner tel ou tel sujet. Et finalement, finir par vous frustrer de ne pas avoir trouvé quoi faire ni comment faire. J'ai longtemps cherché les bonnes techniques pour m'améliorer en dessin et cela m'a demandé énormément de temps et d'énergie à fouiller dans les livres sur internet pour enfin réussir à évoluer en dessin. Voici trois exercices simples à faire qui vous aideront beaucoup si vous les appliquez régulièrement dans vos dessins. Premièrement, entraînez-vous à construire vos volumes. Après tout, la perspective est une technique de construction géométrique pour représenter l'espace. Alors habituez-vous à construire point par point et à bien visualiser la direction de vos traits dans l'espace. Tout le monde veut dessiner des personnages ou des décors incroyables tout de suite, mais commencez par les bases et maîtrisez d'abord la perspective des volumes simples. Prenons par exemple un champion de course. Il a d'abord appris à marcher avant d'apprendre à courir et finalement il a appris à gagner une course. Il n'y a pas de honte à commencer par des choses simples. Le second exercice, c'est de dessiner le plus souvent possible des objets ou des environnements d'observation. N'hésitez pas à changer l'angle de vue de vos objets en perspective tout en restant au même endroit. Dessiner ce que vous voyez n'est pas forcément reproduire à l'identique ce que vous êtes en train d'observer. Rien ne vous empêche par exemple avec la perspective de tourner autour d'un objet en changeant l'angle de vue. Imaginez un nouvel angle de vue à partir d'une vision fixe. Cela vous permettra d'entraîner votre visualisation dans l'espace. Dernier exercice est d'utiliser les notions de direction. Placer un point de fuite, c'est créer une direction. Demandez-vous toujours dans quelle direction doit se dessiner telle ou telle ligne. Basez-vous toujours sur un sol pour trouver la direction de vos lignes. Donc maintenant, pourquoi la plupart des gens abandonnent le dessin en perspective ou mettent des années à comprendre comment l'utiliser? La première cause, c'est que les gens apprennent le dessin dans le désordre, c'est-à-dire qu'ils dessinent un petit peu de personnages, un peu de décor, ils essayent la perspective, la couleur ou les environnements et finalement ils n'y arrivent pas. Puis ils laissent tomber et reviennent au personnage ou simplement à leur zone de confort. Et ça a également été mon cas, la perspective n'a pas toujours été mon fort et j'ai testé, j'ai créé, j'ai échoué également de nombreuses fois avant d'obtenir des résultats en dessin. La seconde cause, c'est la régularité. La perspective demande un certain ordre et un peu de rigueur, surtout au début. Et bien souvent, on ne sait pas toujours par quoi commencer et puis on teste plein de choses et en fin de compte, on s'éparpille énormément en voulant voir tout de suite tous les aspects du dessin. C'est au détriment d'une certaine régularité et cela nous empêche d'évoluer rapidement. Et bien entendu, je parle en connaissance de cause. La troisième cause, c'est la mauvaise information ou le manque de formation. Et parfois aussi des contenus trop light, que ce soit sur internet ou dans les livres. La perspective, le portrait, la couleur, la peinture, ce sont des sujets qu'on ne peut pas apprendre en seulement une heure. Il y a des fondamentaux, il y a les exercices adaptés, les moyens d'appliquer ces éléments dans vos dessins, et puis parfois il y a les astuces pour arriver plus vite au même résultat. Ce que je propose ici à travers la formation perspective débutant, c'est de reprendre depuis zéro les bases du dessin en perspective et de vous apporter à un seul et même endroit tout ce qu'il y a à savoir sur la perspective pour vous améliorer rapidement. Dans les sondages ou par email, j'ai souvent lu cette phrase sincère et importante, j'aimerais une méthode pas à pas, qui me montre étape par étape quoi faire et comment faire pour apprendre à dessiner. Et c'est justement ce que j'ai voulu mettre en place à travers ce programme sur la perspective. Attention, la formation perspective débutant n'est pas un programme miracle qui transforme n'importe qui en dessinateur hors pair. Pour ma part, j'ai mis plus de 13 ans à dessiner, tester, échouer encore et encore pour aujourd'hui finalement être à l'aise avec la perspective. J'ai lu beaucoup de livres, je me suis formé, j'ai analysé énormément de dessins, d'autres artistes pour comprendre et bingo, à force de travail, aujourd'hui je m'amuse et je m'éclate avec la perspective. De plus, la perspective ouvre énormément de portes dans le domaine du dessin. On aborde plus facilement les ombres, on comprend mieux le dessin des personnages, on dessine plus sereinement des portraits, des environnements, etc. Et c'est surtout un des alliés les plus importants pour le dessin d'imagination. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un énorme raccourci avec un plan d'action bien huilé
que j'ai mis plus d'un an à mettre en place avec mes élèves. Et comme vous le connaissez bien avec mes articles, j'ai pris soin de tout segmenter, décortiquer pour vous fournir du contenu de qualité et de la manière la plus explicite possible. Alors, la formation Perspective débutant, donc on a le premier module qui regroupe les principes de base pour construire dans l'espace. L'objectif ici sera de vous aider à automatiser les méthodes de construction d'un volume et de favoriser votre compréhension dans l'espace. Je vous montre comment soustraire et imbriquer des volumes facilement et comment utiliser des vues en plan pour faciliter l'utilisation des échelles en dessin. Le second module, lui, s'appelle les bases de la perspective conique et il concerne les fondamentaux de la perspective avec point de fuite. C'est l'un des modules les plus denses et les plus indispensables de la formation, qui regroupe tout sur la perspective à 1, 2 et 3 points de fuite. Nous verrons comment placer et utiliser la ligne d'horizon à votre avantage, comment placer les points de fuite, comment modifier les orientations de vos objets en perspective, etc. Nous aborderons le placement des personnages dans l'espace, la mise à l'échelle, les volumes courbes et les volumes miroirs, et bien entendu, avec des exemples concrets et des exercices que vous allez pouvoir mettre en pratique immédiatement. Vous verrez ici comment exercer vos traits spécifiquement pour le dessin en perspective et quelles sont les méthodes de division indispensables pour garder des perspectives justes. Dans le troisième module ensuite, vous verrez comment construire et dessiner des ombres en perspective, mais également toute une partie pratique sur l'utilisation de la perspective pour réaliser des croquis d'observation ou des dessins d'imagination. Je vous montre comment simplifier les volumes pour réaliser des dessins complexes ou des dessins avec des formes organiques telles que des animaux, des plantes, etc. Nous verrons ensemble d'autres méthodes pour placer vos points de fuite et choisir vos cadrages, mais aussi des perspectives particulières comme le dessin des pentes, les perspectives à 4 ou 5 points de fuite, et vous aurez même un cours complet sur la perspective à 360 degrés. Comme je vous le disais, j'ai voulu une formation ultra complète qui pourra vous servir durant toute votre vie d'artiste et que vous pourrez voir et revoir à tout moment. Dès que vous aurez rejoint la formation Perspective débutant, vous allez recevoir un email d'accès à la plateforme privée sur laquelle vous aurez accès à toutes les vidéos. Les modules seront débloqués au fur et à mesure pour que vous n'ayez pas trop d'informations d'un coup, et au bout de 3 semaines seulement, vous aurez accès à l'ensemble de la formation. Vous aurez également, après chaque chapitre, accès à un résumé détaillé des informations qu'on aura vues ensemble dans les vidéos. Cela représente un livre de 191 pages sur la perspective et plus de 90 exercices pratiques. Chaque semaine, vous aurez aussi accès aux corrections des élèves en fonction des modules correspondants. De plus, un lien vous sera donné pour accéder au groupe privé. Vous pourrez ainsi publier votre avancement, partager vos créations avec les autres membres du groupe et également donc poser vos questions. En tant que membre de la formation Perspective débutant, vous aurez accès en bonus à la formation complète sur la perspective d'intérieur, où je parle de rendu, de valeur et bien sûr de perspective. Vous verrez comment réaliser de A à Z des perspectives d'intérieur en maîtrisant la position du personnage et l'angle de vue. Je vous donne également accès aux 2 autres modules bonus où je prends soin de mettre en pratique toutes les leçons que vous aurez vues dans l'ensemble de la formation à travers des dessins concrets et que je réaliserai étape par étape. Si vous voulez être accompagné tout au long de votre apprentissage de la perspective, vous êtes au bon endroit. La formation Perspective débutant est complète, mais elle reste évolutive, c'est-à-dire que vous aurez accès à toutes les améliorations futures, c'est-à-dire ajout de vidéos complémentaires par exemple, ou des nouveaux bonus qui pourront venir par la suite. Vous avez donc un accès à vie à la formation. Vous vous demandez peut-être si la formation Perspective débutant vaut le coup. En toute honnêteté, j'ai créé ce programme comme la formation parfaite que j'aurais aimé avoir à mes débuts. Sachez qu'une école de dessin en ligne coûte entre 1 000 et 9 000 euros l'année, un bon livre sur le sujet entre 30 et 50 euros, et ce que je vous propose ici, c'est plus de 30 heures de formation vidéo, un livre de 191 pages, des exercices guidés, des heures de corrigé vidéo et un groupe privé d'entraide pour même pas un tiers du prix d'une école en ligne. Votre temps est ce qu'il y a de plus précieux et c'est à vous de peser le pour et le contre. Si à n'importe quel moment vous avez besoin de m'envoyer un message ou que vous avez une question durant votre évolution au sein de la formation, je m'engage à vous répondre personnellement dans les 72 heures qui suivra votre message. Ce sera également un plaisir pour moi de pouvoir vous aider personnellement si vous avez besoin d'un avis sur un dessin ou si vous avez une question précise sur un dessin ou sur un sujet. Sur cette page, vous retrouverez la totalité du détail de la formation Perspective débutant et juste en dessous de cette vidéo, vous avez un bouton. Il suffit de cliquer dessus, de choisir ensuite le plan de règlement que vous souhaitez et de valider votre inscription. Ensuite, vous allez recevoir immédiatement un accès par email pour la formation ainsi que l'accès à tous les bonus. Merci pour votre attention, je vous dis bon dessin et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.